Adrien qui commande des en irlandais, il dit « en eau pétillante, en eau plate ». Ça fait peur à gueuler comme ça. Vas-y. Oui. Allez, on avance. Je vais reculer, tu vas voir que tu vas pas être bien. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau stade, nouveau match. Aujourd'hui, on va du côté de Saint-Tron. C'est génial aujourd'hui, Saint-Tron, mon vieux. Mais avant ça, on va chercher notre ami Adrien. Exact. On va chercher Adrien à Rode-Saint-Genèse. Bon, aujourd'hui donc, Saint-Tron contre Serein. Avec, comme d'habitude, Bernard. Toujours au poste. Toujours là. Collectionneur de fagnons depuis 45 ans. On a également Curé. Collectionneur de rien du tout depuis 13 ans. 15 ans. Quel âge t'as ? 14. Putain, tu connais même pas mon âge, t'as bu. On en a rien à foutre. On s'en fout. Bon, bah on est parti, on va chercher Adrien. Ça y est, il est là. Il est là. Ça va ou quoi ? Bon, on a un problème, on a plus les places. Bah, j'ai acheté les places, mais on les retrouve plus. Le mec commande les places il y a une semaine et demie, 10 jours. On met un faux nom pour Bernard. On l'a appelé Bernard Rumsteak sur la place. Et on perd les places. Donc on va essayer de les récupérer une fois sur place. Voilà. On s'est garé dans un endroit, mon vieux. Bon, bah on est arrivé, hein, c'est bon. Hein. On a toujours pas les places, mais on est arrivé. Welcome allemand, Matt van der Steyenveld pour le match van de Jupiler Pro League. Ico. Bon, on va essayer de trouver un guichet pour avoir les places parce que là, là on n'est pas, là on a rien. Oui, il est beau. Je préfère le jaune que le noir. Hein. On va manger mon écharpe. Ça, on est bon. Vraiment. Ça le prend, okay. Le logo, il est comment? C'est un vrai logo. Ah ouais, ouais. J'ai pas assez de tenue pour l'instant, sinon je le prenais. I take a go. Yellow Blue Army. Il y a des couples. Il avait joué à Saint-Tron, hein, Shinji Kagawa. Kagawa, ah ouais. L'ancien Dortmund et de Manchester United. J'avoue. Super canal. Tu fais peur à tout le monde. Bon, c'est bon, on a les places. On les a imprimées au fan shop. L'écharpe, c'est bon. Qu'est-ce que t'as acheté, Bernie? Un bic. Et le fagnon. Et un fagnon. Petit fagnon. Et le curé, qu'est-ce que t'as acheté? Que dalle. Bon, les directions, la tribune et début du match parce qu'il est déjà. Bah, ça va, on a le temps en fait. Bah, oui, 47. 17h47, ça va, on est bien. Attends, Bernard, on m'expliquer un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, les fouilles à Saint-Tron, c'est approfondi. Bon, là, j'ai eu droit à une petite pesée. Un joli jeune. Il a fait une petite fouille. Il y a des snoopies. Ça, c'est con ça. Ça, c'est con. Hein. On mangera après. C'est des cartes, quoi. Non, il paye en cash. Paye en carte? Bah, je sais pas. Non, en cash. Ah, en carte. Ça va, curé? Ouais. Ah, t'es content d'être à Saint-Tron ou t'en as rien à foutre? Ok, il en a rien à foutre. Rien à foutre. Heureusement qu'il n'y a pas Borussia Mönchengladbach, lui. Bon, on va noter hein, la bouffe. À partir d'aujourd'hui, on note. Hein. Bon, voilà le paquet de frites 4,50. Quelle note tu donnes à ce petit paquet qui est pas terrible? Honnêtement, la frite... Sur 10. 5, la frite, et la sauce, 3. La frite, je vais dire 4, parce qu'elle est un peu quand même sèche. Il n'y a pas de sel. Il y a du sel là-dessus? Ouais, il y a du sel. Il y a du sel, mais 4 quand même. Et la sauce, ouais, 4 aussi, c'est horrible. C'est pas terrible, la sauce. Hein. Je vais de l'engraisser, on le bouffe à Noël. Le pain qui est dit. Ouais, alors le demain, pain. 4,5 sur 10, le pain. Je me lève demain. 4,5 le pain. Ah ouais. C'est quand même un petit piccolo, il a l'air correct, non? Ah ouais, il est excellent. Il a l'air bien. Par contre, on va peut-être. Oui, 4,5 sur 5, hein, voilà. Et la croûte qui tombe en morceaux. Bon, c'est, le pain est correct. On va dire que le pain est correct. Allez, le pain est correct. C'est impressionnant ici, quand même. Hein. Voilà, déjà ça a une autre gueule hein, d'en haut. Bon, sinon, on est bien mis. Hein. C'est petit, hein. Moi je voyais ça plus grand en fait. Moi je voyais le stade beaucoup plus grand dans mes souvenirs. Avant, quand on venait, on était en visiteur. Ça paraissait plus grand que maintenant. Parce qu'on était là-bas dans le fond. Ouais. Sinon, le stade est beau. Hein. Après. Il y a beaucoup d'espace vide dans ce stade. Oui, c'est beau. Dans la carte. Ça change des autres, c'est un peu plus coloré. Elle est spéciale. Hein. C'est pas la plus belle, mais c'est pas la plus moche. De l'autre côté, il y a quoi? La même chose. Voilà, la carte de Saint-Tron. Ça a décollé dans sa vie. Pas beaucoup de monde, hein, par contre. Un stade assez vide. Hein. Mais bon. Bon, allez, le match a commencé. Hein. Let's go. Hein. Serein, ils sont 10 supporters à Serein. Bon. On va passer sur 2 parce qu'à l'époque, on n'était pas beaucoup plus. Oh. Bon, on vient de passer à Paris, là, plus de 2,5 buts. Hey, je l'ai pas vu, merde. C'est goal à 0, j'ai pas le goal, merde. J'étais occupé de parler avec le curé. Il y a peut-être pas goal. Hein. Il est occupé avec son téléphone. Christina, arrête de lui envoyer des messages pendant qu'on fait des matchs. Hey, pas mal, c'est là.
Yes, les goals. Ce rein là, là ça sent mauvais. Hein. Ouais, les carottes sont quasi cuites pour les Sérésiens. 12 points. 12, il reste 12 points à prendre. Il y a 8 points qui séparent ce rein de Penn. Voilà. Ouais, encore 2 matchs et là, les affaires sont plus. Bah, c'est mort. Hein. Bon, on peut le dire, genre, si ce rein perd aujourd'hui, c'est la D1B. Toi qui as du sang Sérésien. Elle est pour toi, Bernard. Écoute-moi et comprends-moi. C'est terminé pour eux en D1. Ciao l'artiste. Il a compris, il fait son deuil. Va Bernard. Oh ouais putain. Presque goal pour Serein. Sur la seule occasion pour l'instant de la première mi-temps, à la 41e minute, et c'est toujours 1-0. On a trouvé un jeu à faire parce que le match, vu qu'il est un peu ennuyant, on cherche le tambour de Serein. Il y a 23 supporters, on entend un bruit, il vient d'un endroit, pas moyen de trouver l'endroit où il vient. Et là, quelque part, mais. Bon ben, hein, mi-temps. Donc, ouais, c'est la mi-temps, 1-0. On va chercher un truc à boire. Bon, on va aller faire un tour en bas. C'est pas mal, hein? C'est bien. Ouais, c'est bien, ils ont bien décoré ça. Ça fait un petit bistrot. Non, l'intérieur est bien, franchement, ça donne bien. Une tafel pour toi, je te blive. Adrien qui commande en irlandais, il dit en eau pétillante, en eau plate. Il est fort. Faut que je prenne un truc. Enfin, je vais prendre un truc parce que. Le pinch. Moi, je prends la pinch. S'il vous plaît, et nos plates. Et nos pétillantes. Génial ça. Ah putain, rien que ça fait ma soirée ça. Après, le type a compris, sorry, vous remainez dans l'autre. Le mec très gentil. Hein. Comme on le dit à chaque fois. Non, mais comme on le dit à chaque fois, le poussin, ouais. On est toujours très bien accueillis. Très bien accueillis. Partout en Flandre où on va, on est très bien accueillis alors qu'on ne parle pas, presque pas le néerlandais. On est toujours très très bien accueillis, il faut le mentionner. Voilà. Toujours, hein. Mais tout le temps. Hein. Bon, en attendant, le deuxième mi-temps a repris. Hein. Oh là 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 là. Bon allez, moi je fais une petite sieste, on se reprend quand le match est fini. C'est tellement lent là, c'est lent aujourd'hui, il n'y a rien, franchement il n'y a rien à faire. Oh putain le temps. Garde ça mon vieux, mais garde ça le temps. Allez, c'est dégueulasse, ouais. il m'a fait peur mon vieux, le mec. Il m'a fait peur à gueuler comme ça. Ouais, c'est ça, t'as dit pourri, ils tous comme si tous, pas tous. J'ai dit purée, ils tous comme si tous ne pas tous. Mais, y'a. Oh le. Comment c'est possible ça? Si tous, pas tous. Ça fait rire. 71ème, toujours 1-0. Ah ouais. C'est 2-0 pour Saint-Trond. C'est but de Serein. Mon pari est bon. C'est but de Serein, 2-1. Allez, je me casse, moi, salut, bonne soirée. C'est goal de Serein, 2-1. Il a arrêté de pleuvoir. Allez, Bernie. Merde, y'a le VAR. Attends. Salut. Ouais, c'est bon. C'est bon. Mon pari est bon. Elle est faite. Ça va, il y a les paroles sur le truc là, on peut chanter avec. STVV, The Bridge of May. Génial. Bah ça va, on a fait un effort, on a fait l'effort de vouloir chanter le chant des Canaries. Il est là le canari. Il est là tu sais. C'est quoi, on fait la conclusion à la friterie parce que là il pleut, la caméra n'est pas waterproof. Ça
il sera de nouveau pas là aussi, même s'il s'endort là. Bon, on a la friterie là, je suis resté coincé dans la boue quoi. Il a fait la grossière erreur de pas filmer Bernard qui est en train de pousser. Ouais, c'est ça. Je suis resté coincé dans la boue, on a. Et ses lunettes minères. On a les chaussures dégueulasses, ça m'en est sorti quoi. On a commandé un paquet Family. Family. Il y a du sel quelque part ici. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce. Que l'eau c'est la vie. Que l'eau c'est la vie. Franchement, même si c'est la semaine et un petit peu dans le classement, c'est un match de fond de classement, un match de la peur, remporté par Saint-Tru. Malheureusement. Enfin, malheureusement. Malheureusement pour moi, oui. Le match d'un faible niveau, pour moi, si c'est pas le plus faible que j'ai vu depuis que j'ai commencé cette vidéo. Avec peu d'occasions, mais c'est vrai que cette équipe de Saint-Tron n'est pas belle à avoir joué. Sans vouloir être négatif, péjoratif vis-à-vis de ça, il y a peu de joueurs en ballon. Et Serein, ben, à un niveau faible, et je pense que malheureusement pour eux, leur place est plus en D1B qu'en D1A. On va interroger le curé maintenant. On veut savoir ce qu'il a pensé de ce match. Qu'est-ce que tu as pensé, curé? Pour moi, les deux équipes étaient au même niveau. Ouais, franchement, pour moi, les deux équipes étaient du même niveau. Et ça confirme le bas de tableau. Bon, et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que, comme a dit Adri, c'est sûrement l'un des plus mauvais matchs qu'on a vu depuis qu'on a commencé à faire les vidéos. C'était triste. Un match très ennuyeux, qui s'est animé en deuxième période, mais qui est quand même resté très ennuyeux. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas où ça sera, ni dans quel stade, ni quel match, ni avec qui. Mais ça sera la semaine prochaine, ça c'est sûr. Abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est nous à la suite. Suivez-moi. Allez, ciao.